إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. العنوان اليوم بإذن الله: ما حكم الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية؟ Le jugement shar'i, donc islamiquement, d'adhérer à un parti, un groupe, mais musulman. C'est-à-dire un groupe s'est regroupé, ils ont fait un chef, et ainsi de suite, pour dire qu'ils doivent transmettre l'islam, etc. Et tout ça, on va citer près quelques noms. Alors, on a deux. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit l'islam ? De fondre un groupe musulman. Bon, alors musulman, ça ne va pas, islamique. Deuxième, adhérer à ce groupe. Deux choses. Comme d'habitude, on lit en arabe pour que les gens, peut-être qui suivent, mais ils ne comprennent pas bien le français. Et comme mon français est déjà cassé, alors en arabe, peut-être ils peuvent suivre. Al-Hizbiya Abra Tariq. Al-Hizb, un groupe. Ce n'est pas nouveau. On va voir un peu l'histoire, mais on passe vite. Parce que si on reste dans l'histoire, on n'arriverait pas à notre vie contemporaine maintenant. Kanat al-Hizbiya fil Arab qabla al-Islam taqoumu ala al-Nizam al-Qabali wal-Asabiya al-Qabaliya. Dans le temps, dans les Qurayshites, ils avaient le regroupement, il est basé sur le clan de, comment on appelle ça, le Qabali, du tribu. Il est basé sur le tribu. C'est ça la base. Qui est, par exemple, donc, de Nador, qui est de Husima, qui est de Bnéouriagel, qui est Touzini, c'est ça les bases. Hein? Qui est bruxellois, qui est liégeois, qui est ça, c'est ça les bases. Ça n'a rien à voir avec. Même il vit dans le même pays. Mais c'est les tribus, chaque tribu a son chef. Alors on voit bien que ce genre de groupe, il est basé sur. On dirait presque la famille. C'est une famille, ils parlent peut-être la même langue, peut-être ils ont la même famille. D'ailleurs, on dit ici, wa wahdahu dam, le sang. C'est-à-dire, c'est tout à fait une chaîne donc de famille. C'est ça la tribu, et c'est ça la base. C'est-à-dire, il va déclarer. C'est-à-dire la guerre à cause de cette tribu contre une autre tribu. Qu'il a tort ou qu'il a raison, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ma tribu. Alors que chaque tribu, on peut l'appeler, comme donc la langue d'aujourd'hui, al-hizb, le parti. والحزب الأم لهذه التجمعات القبلية قريش. Et ces tribus sont regroupées sur un nom qui s'appelle Quraysh. Mais Quraysh, ils n'ont pas un chef. Ils ont plusieurs chefs. Chaque tribu a son chef. Même, ils parlent ensemble pour leur pays, là, Quraysh. Mais chaque tribu a son chef, etc. S'ils doivent faire quelque chose, ils doivent se réunir tous les chefs et prendre la décision. Et parfois, il y a une guerre contre eux, etc. et tout ça. Mais il s'appelle Quraysh. Allati bu'itha fihi khatim al-anbiya. Et là, on va voir maintenant l'islam. Ces tribus existent. Hein? Ces clans
concernant la langue, concernant le son, ça existe déjà. Maintenant, Allah Azza wa Jal va envoyer un messager. Le Soudi messager, qu'est-ce qu'il va faire avec ces tribus? Est-ce que l'islam va trouver ça normal et les laisser? Ou l'islam va les combattre? Premièrement, un musulman qui se dit que je suis musulman, on arrête ici. On n'a pas besoin de ramener pendant deux et encore deux parties pour expliquer quelque chose qui c'est clair. Ces parties, ces clans existent. L'islam, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a laissé, il l'a changé un peu, il l'a éliminé carrément. La réponse, tout le monde le sait. Mais il hawa. On fait avec la technologie, la philosophie, oui, comme ça, on suit les passions. Autrement, il n'y a pas besoin de dash pour ça. Et pourtant, on a plein de groupes maintenant. فَجَاءَ الْإِسْلَامُ حَثَّ عَلَى الْإِجْتِمَاعِ وَأُخُوَّةُ الْإِيمَانِ وَقَامَتِ الدَّوْلَ الْإِسْلَامِيَةِ L'islam, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait l'islam? Il a regroupé les tribus et les clans sur une chose. La frère, dans quoi? Al-Iman. Il n'y a plus la langue, il n'y a plus le lieu, il n'y a plus intérêt, il n'y a plus même le sang paternel et maternel, il n'y a pas. Il l'a éliminé. Ils peuvent rester, ils sont le frère de son père et de sa maman, etc. Mais dans la pyramide, celui, le créateur, Allah Azza wa Jal, a mis en tête qu'il a une récompense ou un châtiment, c'est quoi? La fraternité sur quoi? Al-Iman, la foi. Il n'y a ni couleur, ni la langue, ni la tribu, ni le son, ni l'intérêt argent, etc. Et tout ça, il n'y a rien, tout est éliminé. Il y a simplement la foi. C'est celle qui regroupe tout le monde. وأخوة الإيمان وقامت الدولة الإسلامية. Il a regroupé les tribus sur l'Iman. Chacun d'eux est venu. Salman le Farisi, Bilal le Habashi, Romi, le Noir, le Blanc, tout il a regroupé. Et avec ça, il a fait fondre l'État musulman Al-Madina. Il a regroupé tout. تحت لواء الإسلام. Sur le drapeau de quoi? De l'islam. Il n'y a pas d'autre drapeau. Il ne faut pas m'accrocher des drapeaux de sa partie ou l'autre partie ou l'autre partie, etc. Et tout ça. Tous ces drapeaux-là, c'est nul. Comme ils font maintenant au Maroc, les drapeaux que vous voyez là, ces drapeaux, c'est nul. Ces drapeaux, c'est nul. Parfois, ils te disent, oui, mais on sait dans certaines villes, dans certains pays avancés, ils ont un drapeau donc de l'État, mais chaque ville ou chaque lieu a son drapeau aussi. On a ici en Belgique le drapeau lion, le drapeau coq et le drapeau je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et si tu parles comme musulman? Et si tu parles comme musulman, tu n'as qu'un seul drapeau qui s'appelle Islam. Alayhi yu'qadu al-wala wal-bara. Sur ça, tu vas t'approcher de cette personne ou t'éloigner de cette personne. Wa tahta sultat shar'iyya wahida. Une seule loi. Pas la plusieurs lois.
تعقد عليها البيعة ويدان لها بالسمع والطاعة. Et l'obéissance à un seul groupe. Et un seul chef. Il n'y a pas plusieurs chefs, plusieurs groupes à qui tu dois donner le ta. حتى لحق بالرفيق الأعلى. Et ça a été comme ça dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il meurt. ولا حزبية ولا طائفية. Il meurt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de hizb, pas de parti, ولا طائفية, ولا tribu, rien de tout. كل مسلمين يحتضن الإسلام ويحتضن المسلمين. Tous les musulmans, un seul parti. قال البغدادي رحمه الله كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد. البغدادي dit les musulmans ils étaient à la mort du prophète صلى الله عليه وسلم sur un seul منهاج في أصول الدين وفروعه, pas simplement dans العقيدة, même dans le فروع, dans العبادات, ils étaient un seul parti. غير ما أظهر وفاقا أو وفاقا وأضمر نفاقا. Excepté des gens qui étaient avec eux, qui se montraient, qui font partie de le groupe musulman, mais ils avaient une hypocrisie en eux-mêmes. Ça existait dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on appelle ça des hypocrites. Mais ceux qui y apparurent, même eux, ils se disent font partie de l'État musulman, mais ça c'était certains hypocrites existaient dans ce temps-là. On peut trouver ça dans Al-Firaq Bayn Al-Firaq, donc de Al-Baghdadi, Rahimahullah. Thumma ukhidhat al-ahzab wal-jama'at wal-tawa'if fi al-zuhuri alanan wa bimadhahib aqadiyya. Et après, il est apparu donc des partis. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au milieu, après le milieu donc des Sahaba Ridwan, il apparaît dans le temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas dans le temps des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dans le temps des compagnons. Il commence à apparaître. Pourquoi? Parce que quand le prophète il était là, s'il y avait quelque chose, un litige, on retourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était fini. Mais à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui vont sortir, commencer à se séparer donc de dogme, d'inventer des choses dans le dogme et dans l'ibadat aussi. Ils commencent à apparaître. Est-ce qu'ils étaient dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils avaient cette envie mais ils étaient cachés? Oui, on a dit qu'ils étaient. Mais des musulmans. On ne parle pas simplement des hypocrites. Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a celui qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Adil ». Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam partage le bulletin, il y a un qui l'a accroché, un musulman. Il dit « Adil ». Partage juste, il y a Mohammed. Les compagnons sont saisis, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Si je ne suis pas juste, qui va être juste? Toi, quelqu'un d'autre, à part moi ?» Et Omar al-Khattab, il est fâché sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délisse les... C'est de ceux-là qui vont sortir le Khawarij. C'est des musulmans. Quand il dit de ceux-là, c'est de sa descendance ou là, c'est cette mentalité qu'il a vu? C'est pas sa descendance. C'est la pensée. Le fait que de celui-là qui va sortir, donc c'est pas que lui va enfanter des enfants et ça va. Non. C'est-à-dire de celui-là, lui va propager le fikra. La pensée, le geste va être propagé. Et c'est de là qu'ils vont partir, le Khawarij. تحت ألقاب أربعة. Première chose, donc des noms, hein, qu'on appelle ألقاب. C'est le nom qu'ils vont porter les partis. Les premières, c'est qui? القدرية والشيعة والخوارج والمرجئة. Alors, القدرية, c'est lequel القدرية? C'est ceux-là qu'ils disent, il n'y a pas de القدر. Les péchés que vous faites, Allah Azza wa Jal n'a rien à voir avec ce qui passe comme mal dans le monde.
Tout ce qui se passe dans le monde comme mal, Allah, il n'a rien à voir là-dedans. Ok? Ça, c'est le Qadariya. Ou le Shia. Shia, on va dire plus politique. Là, c'est plus le Qadariya, plus dogme. Mais Shia, c'est une partie, on va dire, le départ, c'est plutôt politique. Mais en même temps, ça rentre dans l'aqida, dans le dogme, parce que les chiites, eux, ils vont inventer le groupe comme quoi qu'ils soutiennent. Ils soutiennent Ahl al-Bayt, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y a pas Abu Bakr, il n'y a pas Omar, il n'y a rien. Tout cela, il faut éliminer. Le prophète, il est mort. Ceux-là qui doivent venir gérer les musulmans, etc., être amir, etc., c'est de côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Ali, Hassan, Hussein, et ainsi de suite. Ou le Khawarij, un autre groupe qui va sortir dans le temps, donc le Khawarij, on a vu la pensée, il est venu dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les Khawarij vont sortir dans le temps de Ali radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'ils ont ces Khawarij? Ce n'est pas des koufars, c'est des musulmans. Leur faute, ce n'est pas qu'ils veulent faire un groupe ou quoi que ce soit, non. Leur faute, c'est simplement, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde, sans exception, ils enlèvent simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun a le droit de comprendre l'islam. Chacun a le droit d'interpeller ou d'interpréter le Coran. Ils n'ont pas besoin des compagnons ou quoi que ce soit. Ils n'ont même pas besoin de hadith, de sunna, ce que les compagnons disent, qu'on entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on a le Coran qui est préservé. Et là, ça, c'est un groupe qui va commencer à interpréter le Coran sans la sunna. Parfois, il prend la sunna, parfois, il la rejette, comme on voit des gens de maintenant. Mais il interprète le Coran d'après ce qu'eux, ils pensent. Et là, ils vont faire des gaffes. Ils vont même rendre Ali mécréant, kafir. Ils vont dire à Ali, t'es mécréant. Wal-Murji'a. Ça, c'est dans le sens opposé del Qadariya. Hein? Al-Murji'a. C'est-à-dire, on va prendre dans le terme. Le Qadariya, qu'est-ce qu'ils vont dire? En Allah, shadidul iqab. Ghafurun Rahim, t'as combien de péchés? À l'enfer éternel, khalas. Ghafurun Rahim, non. Le Murji'a, c'est dans l'autre sens. Ghafurun Rahim. Shadid al-Iqab, ils oublient ça. T'as dit, Ashadu Allah, ilaha illallah, Ashadu Muhammad Rasulullah, ah. Tu fais ce que tu veux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu pries pas, tu fais pas le jeûne, etc. et tout ça. Deux choses opposées. Et à l'intérieur, il y a deux parties, des chiites et des khawarij. ثم تشعبت هي نفسها الى فرق. Et ces quatre parties-là, ils vont se diviser. Les qadariyyah, ils vont se diviser. Les chiites, ils vont se diviser. Les khawarij, ils vont se diviser. Ou les murji'a, ils vont se diviser. Ils vont faire des enfants. Et ces enfants, ils vont... Comme maintenant, les frères musulmans. Combien de parties? Il y en a plein, de toutes sortes. C'est certain, simplement des frères musulmans. Alors, ces quatre parties, ils vont se diviser en eux-mêmes. وَثُمَّ تَشَعَّبَتْ هِيَ نَفْسُهَا إِلَى فِرَقٍ وَهَذَا مِصْدَاقُ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. Il dit cette division, ça confirme la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que هذه الأمة, cette أمة, الأمة de qui? De أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ça ne parle pas de Umma de Muhammad. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit l'Umma, il y a deux catégories de Umma de prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de ce bas monde, tout appartient à l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 7 milliards ou les 8 milliards maintenant qui existent appartient à l'umma de Muhammad, font partie de l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Je te dis 8 milliards. T'as quelque chose qui est caché encore 8 milliards. Je t'ai donné le niveau qu'il y a, ils disent 8 milliards. Mon cerveau ne l'a pas accepté. Ben oui, je vais t'expliquer. Tout, même les djinns, font partie de l'umma de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas aujourd'hui, depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est juif, chrétien, les athées, tout ça, font partie de l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la fin du monde, tout ce qui va venir, font partie de l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah azza wa jalla l'a envoyé à l'alam, pour le monde entier. Le monde entier. Et le message, c'est soi qui va continuer jusqu'à la fin. Est-ce que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour Quraysh? Est-ce qu'il va s'arrêter maintenant? Alors c'est l'umma, il est en train de parler à son umma tout le temps. Ça c'est une umma. L'umma, ça taftariqu ummati, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma communauté va se diviser, c'est laquelle on appelle ummat l'istijaba. Ummat l'istijaba, c'est ceux-là qui ont répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont rentrés comme musulmans. Ils ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah » Ils sont istijab, ummat l'istijab. Alors tout ça c'est umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui ne vont pas accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message, mais il reste quand même dans la umma. Et alors il y en a dans cette umma, jusqu'à l'éternité, il y a des gens qui vont accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle l'ummat l'istijab. Alors, ummat al-risala wa ummat al-istijaba. L'umma de message et l'umma de répondre, d'accepter. Alors ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Sataftariqu ummati » De quelle umma il parle? Pas la ummat al-risala. Il parle de l'umma à l'istijaba. Pour qu'on ne puisse pas dire... Parce qu'il a déjà parlé, il dit « Iftaraqat al-yahoud » وافترقت النصارى وستفترق هذه الامه. Tu vois bien que le prophète dans ça il dit les juifs se sont divisés, les chrétiens se sont divisés, les musulmans vont se diviser. Alors il parle ici de l'umma l'istijaba. Comme ça les gens ils vont pas dire il parle des kofars et des athées, non, il parle de toi, de nous qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et on se dirige vers le Qibla. Parle de ceux-là, ils vont se diviser. « Inna hadhihi l'umma sataftariqu ala 73 millah » Écoute ce qu'il dit le prophète dans ce hadith, parce que ce hadith il a plusieurs chaînes de transmission. Il y a plusieurs riwayats. Ici, il dit « Milla ». Le « Milla », c'est-à-dire la croyance, de croire, le dogme. Dans le dogme, ils vont se diviser dans le dogme. « Kulluha finnar »« Kulluha » Tous méritent l'enfer. « Kulluha finnar » ici, c'est le « Wa'id » ou le « Wa'd ». C'est là que les Khawarij vont commettre l'erreur. Ils ne font pas la distinction entre le « Wa'd » ou le « Wa'id ». Ce hadith, c'est un hadith wa'd ou la wa'id. Comprenez le wa'd ou le wa'id. Le wa'd, c'est promesse. Le wa'id, c'est une menace. Une mise en garde. Deux choses différentes. Les khawarij dans le Coran, ils ne font pas la distinction. Est-ce que c'est une promesse ou c'est une menace? Ils prennent tous par... c'est une promesse. C'est une erreur. Dans ce hadith-là, non. Ça ne veut pas dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu afinnar », c'est une promesse. Non. C'est une menace, c'est une mise en garde. On peut, c'est pour ça que je dis toujours, quand je parle, je fais le traduit, qu'il mérite l'enfer. Ces 72 groupes méritent l'enfer. Ben, il y en a qui vont rentrer à l'enfer et resteront. Il y en a qui rentreront à l'enfer, mais qui ne resteront pas. Et il y en a qui rentreront même pas à l'enfer, dans ces 72 groupes. D'après leurs dégâts, d'après leur bid'a qu'ils ont fait. Comme ce qu'on vient de citer maintenant, les quatre là. Le Khawarij. Est-ce que le Khawarij comme le Qadariya? Non.
n'est pas la même chose. Les Qadariyah, ils ont nié une chose qui est claire dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij, ils ont nié quoi? La transmission de la sunna. Sahiha, da'ifa, alors on ne fait pas. Ils sont encore mieux que, même si ceux-là, ils vont faire les dégâts plus que le Qadariyah. Et les chiites, la même chose. Alors il dit, kulluha finnar illa wahida. Sauf une. Et là, on comprend maintenant. Les partis musulmans qui existent maintenant, quoi, ils sont rentrés dans le wahida? Non, tu ne peux pas être dans le wahida. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, 72 méritent l'enfer. Il y en a une qui sera sauvée. Laquelle? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, c'est pas notre sujet, mais c'est simplement pour... Il dit, ça va venir après, inshallah, parce que ça, c'est en deux parties. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question. C'est qui ce groupe-là qui sera sauvé? Ma ana alayhi liyawm wa ashabi. C'est les gens qui vont faire ce que je fais moi maintenant et les compagnons. Tous ceux-là qui vont faire en dehors de ce que j'ai fait aujourd'hui et mes compagnons font partie des partis égarés. Firaq d'Allah. D'ailleurs, ce hadith doit vraiment être inscrit donc à chaque musulman chez lui, à la maison, à la porte, de se poser la question. Le prophète, il dit que cette communauté musulmane, ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, va se diviser en 73, oui ou non? Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois? D'ailleurs, le Coran, il le dit aussi. On va le citer après, Inch'Allah. Alors, quoi? Les musulmans, t'entends ce hadith, ils vont se diviser en 73, 72 à l'enfer, et tu ne te poses même pas la question de quelle partie tu es? De quelle partie on est? De quelle partie tu es? Hein? Ça fait peur, ça, non? Et on va dormir comme... Il y a quand même ces 73 plus ces 73, ils ont fait 10 enfants. Ça, c'est les 72, ça, c'est les têtes. Hein. Mais après, c'est des centaines. Je vais vous ramener un livre après, la semaine prochaine. Avec, il y a 150 hizb, rien que c'est donc les années 70. Maintenant, c'est même pas son arrivé. Alors, on ne se pose pas la question de quelle partie je suis. Posez cette question. Et ne répondez pas. Ce que j'allais répondre, vous allez paraître répondre à côté de la plaque. Et ce n'est pas une question, Inch'Allah, je suis dans le bon. Non, ce n'est pas Inch'Allah, je suis dans le bon. Tu dois être sûr et certain que tu es dans le bon. Allah Azzawajal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il t'a dit les 73, il n'a pas laissé les 73 flou comme ça, sans te donner le signe de quoi pour être des gens de groupe sauvé. Ma ana alayhi liyawm wa ashabi. Tu ne fais pas en dehors de ce que le prophète a fait dans son temps, et les compagnons, et tabi'in, et tabi'at tabi'in, tu fais partie du groupe sauvé. Kulluha finnar illa wahida, wa hiya al-jama'a. Alors on voit bien de ce hadith, il dit une, un parti, mais il n'y en a pas plusieurs. Wa innahu sayakhruju. أو سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم الأهواء. اكتي سحديث. وإنه سيخرج من أمتي. Il va sortir de ma communauté. Encore la communauté dont on parle ici donc de la Umma istijaba. C'est-à-dire des musulmans qui prient. Ils vont sortir de ces musulmans qui prient. أقوام تتجارى بهم الأهواء. Des gens, leur passion le tire, les fait courir. Il court derrière sa passion, au point de vue de Dîn. Il pratique sa religion d'après quoi? Sa passion. Et cette passion-là le tire, comme le Khawarij, comme les chiites, comme le Qadariyah. C'est une passion qui est là. Le Khawarij, c'est une passion. Il veut que l'islam soit d'après ce que... Les chiites, la même chose. Eh bien, ces gens-là... Et malheureusement, on a aussi maintenant des gens qui veulent faire l'islam à sa passion. Parfois, ils te disaient, ben, nous autres, on a trouvé nos parents, ils vont vers les Mabarabos, et alors tous ces gens-là, ils ont... Qu'est-ce que c'est que tu racontes, là?
Ben, les gens dans le temps, dans les gens, ben, c'est ce qu'ils ont dit, les Quraishites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous dites la même chose. Quraishites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est quoi ces statues, c'est quoi, il n'y a qu'un seul adoré. Il dit, ben, on a trouvé nos parents, c'est-à-dire nos parents, ben, voilà la même chose ici. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو في صحيح الترغيب وكذلك في السنن. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit vont sortir de cette communauté 10 personnes, leur locomotive, leur moteur qui le guide dans cette religion, dans l'adoration, c'est leur passion, leur lahwa. Et il dit Kama tatajara ou yatajara al-kalbu bisahibi. C'est quoi ça? Al-kalb, ça vient donc de chien, kalb. Mais le prophète, il ne parle pas de chien lui-même. Il parle donc le chien enragé. Une maladie. Le kalb ici, c'est une maladie qui atteint la personne. Cette maladie, hein, parce que l'enragé, donc les médecins, ils parlent pourquoi le chien devient enragé, etc. Ça existait dans le temps, hein, d'après ce qu'il mange, d'après la nourriture qu'il mange, c'était un microbe et tout ça. Après, il devient enragé. Et quand il te mord, tu deviens toi-même enragé. Tu vois, tu deviens aussi malade avec ce microbe. Mais le prophète ici, il te dit que ce hawa, cette passion, c'est comme un microbe qui t'a touché. C'est-à-dire, ce hawa, c'est un chien enragé. S'il te mord, il ne va pas laisser une place dans ton corps, il sera partout dans ton hawa. Dans ta religion, dans ton adoration, dans ton dogme, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler, tu seras abîmé par ce hawa. Tu vas t'habiller d'après le hawa. Tu vas prier après le hawa. Tu vas, tout tu vas faire d'après ton hawa. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tatajara bihimul ahwa. Hein? Ils sont tirés, entraînés par le hawa. Comme quelqu'un qui est malade d'une maladie qu'on appelle ça enragé. Un chien qui est enragé. Un chien qui est enragé, il mord simplement. Eh bien, ce hawa, il va te mordre. Il ne te laisse rien de ton corps. قال الإمام الشاطبي رحمه الله فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء. الشاطبي دي فتكالبت c'est-à-dire تكالبت c'est comme quelqu'un les chiens tu déposes une assiette comme ils font les chiens ils courent tous bien. Ben c'est ça il te dit تكالبت les animaux ils sont venus hein, mordent ou manger Sawad sunna. Les gens de sunna, ils vont être attaqués par qui? Par une morale, par une maladie enragée? Al-bida. Al-bida, ils vont casser la sunna. C'est ce qu'on voit maintenant. Partout. La sunna, il est éliminée par al-bida. Les hérésies. Invention. Parfois, on est arrivé au stade d'en savoir qu'on fait al-bida. Et on croit que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé à un stade. Les gens, maintenant, ils font une adoration. C'est une bid'a, une hérésie. Et pour lui, non, c'est une sunna. Plus que ça. Il voit un autre qui pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit quoi? Tu fais une bid'a. Ils ont renversé les rois. فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء فتفرق أكثرهم شيعة. Pourquoi ils vont se diviser? C'est le bida, l'hérésie. Tu restes pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Dans le temps des compagnons Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari est parti dans une mosquée pour prier. Et il a vu les gens, après la prière, ils se sont regroupés. Une dizaine ici, une dizaine ici, une trentaine là-bas, font les groupes, des rangs comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le zikr. Ah, le zikr, c'est recommandé par l'islam. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire simplement « Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar ».
Simplement, il y a un chef, il lui dit, vous faisiez 300 subhanallah, vous 400 la ilaha illallah, vous 500 Allahu Akbar. C'est de l'adoration, ça. Ben Moussa al-Ash'ari, ça c'est un compagnon. Ben il était perdu. Abou Moussa al-Ash'ari, donc, au départ de l'islam, dans le premier siècle, le prophète il vient juste de mourir. Ben Moussa al-Ash'ari, il est resté là, il ne savait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il est perdu. Alors imagine-toi, en 2018, qu'est-ce qui te va séparer le bid'a de la sunna? C'est tout à fait un effort, un travail immense, colossal, pour tout décortiquer tout ce mélange. Alors Moussa al-Ash'ari, pourquoi il est perdu? On appelle ça le bid'a al-idhafiyya. Tu as une bid'a qui n'a même pas l'origine. Comme ça, ça tombe. Mais tu as une bid'a, il a l'origine dans l'islam, mais on l'a modifié. On a rajouté quelque chose, on l'a. Ben, subhanallah, la ilaha illallah, Allah akbar, c'est pas recommandé ça. C'est recommandé par l'islam. On le fait dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sabbih, subhanallah. Mais qu'est-ce que Abou Moussa al-Ash'ari dit? Oui, subhanallah, la ilaha illallah, Allah akbar, c'est ce que nous autres on fait. C'est ce que le prophète nous a appris à faire. Tasbih. Ah, le prophète il dit aux compagnons, le conseil dit que ton langue reste toujours, comment on appelle, ratiba, frais, mou, avec la prononciation de subhanallah, la ilaha illallah, Allah akbar. Mais alors, Abou Moussa al-Ash'ari, où il a le problème? Mais ce groupe-là, les 20 subhanallah, 40 la ilaha illallah, 60 Allah akbar, où t'as bien, comment t'as fait ce rond, ce chef d'orchestre là qui est en train d'orchestrer, de partager sur Allah. Comment la même chose, ça va venir par après aussi. Alors Abou Moussa al-Ash'ari, ben là regardez aussi, ça va pas, je sais pas interdire, intervenir, mais ils font le subhanallah. Je vais pas arrêter les gens qui disent subhanallah, donc va. Il part chez un autre savant, plus savant que lui. Ah, il arrive chez lui à la maison, en trois parties, je pense. Deux parties, il est assis ici. Ah, c'est toujours comme ça avec ce. Parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre. On ne veut pas sortir. On fait d'une demi-heure, on est parti, comme on fait à la télévision. On invite deux personnes pour débattre à un sujet. On n'a pas le temps. Vite. On n'a pas le temps, alors. 5 minutes, 10 minutes, prenez le temps alors. Un sujet qu'il a besoin d'un mois, il te défait le, on va le parler pour qu'on donne une demi-heure, une heure. Ça t'as fait plus donc de problèmes que t'as. Ah ben bon, c'est la charie, il part chez Abdullah ibn Mas'oud, il va, il trouve à la maison, les gens l'entendent. Hein. Il va pas à la mosquée, il veut l'attraper à la maison, lui, directement. Il sort, il dit, j'ai vu quelque chose à la mosquée. Je savais plus ce que je dois faire. Je vais leur dire non ou pas. Il dit pourquoi? Il dit subhanallah, la ilaha illallah. Il dit alors. Il dit ils ont fait d'une manière comme ça. Oh! Il dit où est-ce qu'il est ça? Il dit là-bas. Abou Moussa al-Ash'ari l'a suivi, mais la cape sur lui comme ça pour qu'on ne le reconnaît pas. Pour voir. Il regarde, c'est vrai. Ils avaient des pierres pour compter, les tzbih, les cailloux pour compter, pour se tromper dans le compte. Il leur a frappé toutes ces pierres-là, il dit, allez, levez-vous d'ici. Et les gens disent, ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, ah, c'est toi. Allah, monsieur, un savant reconnu parmi eux. Et Abdullah ibn Saoud dit, c'est quoi ça? Les vêtements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont encore là, ils ne sont pas usés. Et vous avez déjà inventé. C'est quoi ça? C'est à quelle époque, ça, le califat d'Abou Bakr? Ça, c'est Abou Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Mas'oud, il dit non après. On doit dire Uthman ibn Affan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient juste de mourir, et vous faites déjà ça. Et les gens, ils vont répondre. Ils disent, ma aradna illa khayran. C'est une bonne réponse. Tu fêtes la naissance du prophète, qu'est-ce que tu veux? Je veux que de bien. Eh bien, ils l'ont dit, ils n'avaient pas une mauvaise attention.
Non, les Khawarij, ils n'avaient pas une mauvaise attention. Ils ont une bonne attention, une bonne niya. Ma aradna illa khayran. Faites attention avec la bonne intention. Ah, tu ne sais pas ce qui est dans mon cœur. Mais non, ce que tu fais là, l'apparence, n'a rien à voir avec la sunna. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça n'a rien à voir. Et le Abdullah ibn Mas'ud dit wa kam min murid lil khayr lam yusibhu. Oh, combien de gens ils ont voulu faire de bien, mais ils n'ont pas touché le bien. Parce que le bien s'inscrit dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien, ça se trouve dans le suivi dans le prophète, pas dans vanter. Si tu en vente, tu ne peux pas le toucher, le bien. Rawi al-Hadith, celui qui a rapporté le Hadith, il dit on a trouvé ces gens qui étaient dans la mosquée, dans le temps de Ali, radiyallahu anhu, avec le Khawarij. Les personnes qui étaient à la mosquée, qui faisaient ce genre, Rawi al-Hadith, il dit dans la bataille de Ali, on l'a trouvé avec le Khawarij. C'est ceux-là qui ont kuffar Ali, radiyallahu anhu. Hein? T'as vu ce qui t'a fait le bid'a? Où il t'a fait sortir? Fitna. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Tu changes un peu la directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas être maftoum. Allah, il va te faire sortir de là. Et toi, tu crois que tu fais le bien. Et tu crois qu'Allah azawajal va te récompenser pour ça. Comme les groupes qu'il y a maintenant. Comme l'Ahzab, comme il y a maintenant. Les Ikhwan, les Rigyon, Mahva, ou je ne sais pas quoi. Tu crois qu'ils font du bien. Ils ne font pas du bien. Ils ne font que du mal. Il dit aktharuhum shi'an wa hadhihi sunnatullah fil khalq. Et cette division, il dit c'est comme ça, ça va se passer. Allah azza wa jal va le faire sur ce bas-monde. Mais il va le faire tashri'i ou kauni. Kauni, ça va se passer kauni, rappelez ça. Pas qu'Allah il a voulu que vous Allah il nous dit dans le Coran vous vous divisez pas. Fa'tasimu bihablillah jami'an. Alors la division va se passer, Allah va le laisser se passer cette division. Mais irada kauniya, wa laysat irada tashri'iyya. Ça va se passer dans le kaun parce que nous, on a voulu se diviser. Et Allah Azza wa Jal va te laisser le jour du jugement, tu seras châtié pour ça. Wa ya'ba Allah an tajtami'a hatta taqum as-sa'a. Il dit châtié. Wa ya'ba Allah que ces gens-là, ils ne vont pas se grouper jusqu'à la fin de l'éternité. Cette division va rester comme ça. Ça a commencé de Omar ibn Khattab, mais pas tellement, mais de Othman ibn Affan. Après, mais justement, le début, c'est Omar ibn Khattab. Quand on a tué Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et après, Othman ibn Affan, khalas. La porte est ouverte pour le fitan. Hatta, wa ya'ba Allah an tajtami'a hatta taqum as-sa'. Ils ne vont pas se regrouper. Mais ça, si on a dit ça, kauni. Pour ne pas baisser les bras et dire je ne vais pas faire mon possible pour regrouper. Non, nous on est obligés de faire notre possible. De regrouper les gens, de revenir, de ramener les gens vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même en sachant que ça ne sera pas. Mais, toi tu dois faire ton travail. Ça, c'est kauniya, pas tchiriya. Tchiriya ça va se passer, mais Allah azza wa jalla te dit, toi ton travail c'est quoi? C'est d'essayer de rassembler ces groupes. Voilà ton travail. Le groupe va se diviser, les gens vont se diviser. Toi, qu'est-ce que tu fais? Puisqu'Allah Azza wa Jalla dit que ça va diviser, c'est pas moi qui va changer ce qu'Allah. Non. Ton travail, c'est de ramener, de sauver les gens. Car tu ne vas pas ramener le groupe en entier. Mais tu peux sauver un, deux groupes même. Si tu fais transmettre le message, tu vas sortir. Parfois, le groupe complètement va revenir vers Allah Azza wa Jalla. Comme c'est passé avec le Khawarij. Quand Al-Khawarij, ils n'ont pas voulu, Ali, radiyallahu anhu, il a envoyé l'Abdullah ibn Abbas pour dialoguer avec leur technologie, leur système de l'Afkar, de l'Qur'an. Eh bien, il les a bloqués. La grande majorité sont revenus vers Abdullah ibn Abbas, mais les autres sont restés là, les tutus. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة فلا تجتمع الفرق كلها على كثرة على مخالفة السنة. Et la majorité de sa umma, ça va être contre quoi? La sunna. C'est-à-dire maintenant tu as 1 milliard de musulmans aidés,
eh bien, il va te rester 100 000 de Al-Sunna. Tout le reste, bida. Contre la Sunna. Contre la Sunna. Pas qu'il faut. Parce que le bida, c'est quoi? C'est contre la Sunna. C'est faire la guerre à la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله. Il dit ولكن بل لابد أن تثبت. Mais il y aura une partie. Cette division de 73, il y aura toujours dedans une partie que le prophète a dit إلا واحدة. Et cette واحدة ne sera jamais aussi morte. Jamais. Ces deux choses-là, les bid'ah et la Sunna, ils seront toujours en route. Toujours la guerre là. Une majorité des bidas, ça existe. Mais la sunna ne va pas être éliminée totalement. Il sera affaibli, il serait faible dans un lieu, mais il continuera toujours. Il se relève, il se affaiblit, il remonte, et ainsi de suite jusqu'à la fin du temps. حتى يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة mais أهل السنة ceux-là qui suivent la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ils vont être attaqués partout des gens de أهل البدع attaqués à une fois qu'ils vont se sentir que tu fais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu seras attaqué الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء. Tu serais, ils vont te haïr, ils vont même te déclarer la guerre. Et ils vont se regrouper, hein? Ils se regroupent contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 70 groupes, chacun son chef, mais ces 72 chefs, ils peuvent se regrouper pour éliminer qui? Ceux-là qui n'ont pas un chef. Le seul leur chef, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien d'autre. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yazaluna fi jihadin wa niza'in ana al-layl wa al-nahar. Ici, Ahl al-Sunna seront toujours dans la bataille, jour et nuit, sans relâche, sans dormir. Pourquoi les al-Firaq d'Allah, ils sont là aussi? Si tu baisses un peu le bras, si tu dis ma'alichi ici, celle-ci ma'alichi, chez toi à la maison, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de... Tu es parti. C'est-à-dire que tu suis un pas, tu fais un pas, tu t'affaiblis un pas, tu es mangé par les groupes. Et combien on a vu des gens ici? Combien on a vu des gens? On les prenait dans les années 70, des gens de Ahl Sunna ou Al-Jama'a à la famille Salafi l'Umma. Pas des gens simples, des gens, des chouyours, des a'imma, des mosquées. Qu'est-ce qu'il disait dans ce temps? Qu'est-ce qu'il dit maintenant dans ce temps? On dirait qu'il a reçu un autre wahy, une autre révélation. Et pourtant, dans le temps, dans les années 70, on va dire 80, il t'argumente avec le Coran et la Sunna. Tu ne sais même pas faire. Et maintenant, il est en train de dire le contraire. Avec quoi? Juste le Coran. Le Coran et Sunna. Maintenant. Prenons un. Le Fizazi, du Maroc. Il était un Tkfiri. Il était en prison, il est sorti. Il n'est plus Tkfiri. On lui a posé la question. Mais tu étais. Ah, il dit, on était un peu sortis, donc, parce que certains chouyours, ils nous ont influencés, c'est pour ça. Moi, alhamdoulilah. C'est comme ça, tu expliques? Stop. Ouais, explique-moi les versets que tu es en train de traduire l'autre fois, dans les années-là, avec le Dalil, tu ramènes l'aya, il t'a fait un débat avec Adnan Bra, Adnan Arour, t'as fait un débat, le hadith, etc. Et aujourd'hui, tu me dis, khalas, comment t'as fait ça? Le verset qui t'a fait, de hadith qui t'a pris ce moment-là, il te l'a pris comme argument, qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Explique-nous. Non, non. Ça fait, je reviens comme ça. Il y avait une voiture là, tu tournes comme ça, tu viens comme ça. Je crois que c'est avec des lunettes. Hein? C'est avec des lunettes. C'est le hawa. Les lunettes, c'est le hawa.
Quand il parlait donc les ayat d'après le Hawa, il est en train de traduire le verset, le hadith d'après le Hawa, pas d'après les compagnons, parce que s'il aurait traduit d'après les compagnons, c'était fini. S'il aurait été donc directement, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laïsa le kufr alladhi tadabuna ilayh. Oh, Allah. Le hadith daif. Le hadith, oui, sahih. Alors, ça va, toi. Je ne fais pas kufr les gens. Il y a un litige là, il y a un problème là. Pour kufr quelqu'un, il faut avoir quelque chose de solide. Non, comme ça, le fils d'Asie, il revient lui. Ah ouais. والبغضاء لا يزالون في جهاد ونزاع أناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل. C'est pour ça ils ont de grandes récompenses ces gens-là. Ceux-là qui font pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au milieu des vagues pleines de bid'ah et des hérésies, ils ont des récompenses comme Allah azza wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ils auront 50 degrés en plus que vous. Les compagnons ont plus 50 âges en plus que vous. Les compagnons disent, avec leurs actions, nos actions, ils disent, avec leurs actions. Ils disent, pourquoi ils auront 50, c'est-à-dire une action, ils les doublent 50 fois, plus que la nôtre. Ils disent, parce que vous, vous avez trouvé qu'ils vous donnent un coup de main. Eux, ils ne vont rien trouver. Ils seront seuls à combattre. أناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. Vous allez trouver ça donc le livre de Chatibi Al-I'tisam tome 1. Voilà, ça concerne un peu le début donc de ce parti. Maintenant, ces parties existent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que ces parties vont exister. Maintenant, on dit « al-intima' lil-ahzab wal-jama'at ». Alors, adhérer à ce groupe-là. Adhérer à ce groupe-là. Automatiquement, on va dire « la yajouz ». Mais il n'est pas permis d'adhérer à un groupe. On a dit « il n'est pas permis de fondre un groupe ». Alors, s'il est interdit de fondre un groupe, automatiquement, il est interdit. Donc, d'adhérer à ce groupe. Maintenant, il faut argumenter. Quel délit qu'on a pour dire il est interdit de fondre un groupe, il est interdit d'adhérer à un groupe. Je vais rajouter une. Il est même interdit de parler de ce groupe de bien. Même s'ils ont un bien. C'est ce qu'on va voir après. Tu vas me dire, oui, mais Sherman Baz, il a parlé de certains groupes bien, et Sherman Baz, Charlotte Heming, oui, oui, je sais tout ça. Al-intima' lil-ahzab wal-jama'at. Adhérer à des jama'at, des ahzab et des groupes. Hadihi muqtatafat min kalam ahlil ilm. On va ramener ici les paroles de ahlil ilm. Et quand on ramène les paroles de ahlil ilm, al-sunnah wal-jama'at, est-ce qu'il ramène la parole de ahlil ilm? De seul, nu, comme ça, ou il doit être ce alm argumenté par le Kitab ou Sunna. Il doit argumenter avec le Kitab ou Sunna. Ahl al-ilm hawla hukm al-intima' lil-ahzab wal-jama'at. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens de science de Ahl al-ilm concernant une personne qui veut adhérer à ses ahzab, à ses partis? فإنما حل بالأمة من عوامل الانفلات والتغيير الضاربة في أعماقها. Alors ce qu'on voit la communauté musulmane déchiquetée, divisée, anéantée par toute cette division et ces parties-là, qui existaient dans le temps, c'est pas nouveau, hein. On a dit dans le temps de Othman ibn Affan, dans le temps de Othman ibn Affan, il y a déjà cette heure. جعل أهل الدعوة يهبون لانتشالها وحفظ بيضتها بالدعوة إلى الإسلام. Et alors, certaines personnes qui vont réagir de voir la situation de la communauté musulmane, donc réagir pour la mettre sur pied, car la communauté musulmane, elle est rabattue avec cette division et tout ça. Et certaines personnes, les gens de Dawa,
ceux-là qui font la prêche aux gens, etc., qui ont une certaine connaissance, une science, ils vont faire un effort pour remédier à ce dégât. Mais ils vont faire plus de dégâts qu'autre chose. وحفظ بيضتها لكن تحت شعارات الحزبية والطائفية. Ils vont se regrouper pour remettre l'islam sur les rangs, c'est pour le mettre debout, mais sur un drapeau hizbi. Il va faire un nom à son hizb. Ikhwan Muslimoun, Tablighiyoun, Hizb Tahrir, Nahda, Adliyoun, je ne sais pas quoi d'autre, je vais ramener les noms des noms, je ne me rappelle pas. On ne parle pas des Qadariyoun, Ishiya ou l'Ibadiya, ou l'Ahmadiyya. On parle de ceux-là. Et de ceux-là qu'on a avec nous, dans notre famille. Alors l'erreur qu'ils vont faire, ils vont se regrouper, ils vont se donner un nom. S'ils ne se donnent pas un nom, on va leur donner un nom. À cause de quoi? À cause de leur sa façon de pratiquer. Comme quand on dit Rabi'iyin. Est-ce qu'eux se sont donné le nom Rabi'iyin? Non, ils ne se sont pas donnés. Mais pourquoi on leur a donné? C'est de leur faute. Al-Murji'a, Kadalik, Al-Mu'tazila. Mais il y en a des autres groupes qu'eux se sont donné le nom à eux-mêmes. Mais parfois, leur action, c'est un nom, c'est un symbole qu'on leur donne. Un signe, comme vous les connaître, comme on a dit maintenant, les Ikhwaniyoun. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? تحت شعارات حزبية وطائفية ثم تفرقت الجماعات إلى جماعات وصارت شيعة. Et ces groupes-là, donc de l'Ahzab, eux, ils vont se diviser. Les Ikhwaniyoun, ils vont se diviser. Les Ikhwaniyoun de l'Égypte, les Ikhwaniyoun du Soudan, les Ikhwaniyoun du Maroc, ce n'est pas la même chose. Ils font partie dans la première. Mais ils vont faire des. Ils vont faire des enfants aussi. Chacun. Ils vont se diviser, se rediviser. Hizb Tahrir, ça vient d'où? Des Ikhwan Muslimi. Al-Hajr wa Takfir. Des Ikhwan Muslimi. Et ainsi de suite. Al-Qaïda, c'est qui? C'est Ikhwan Muslimi. Tout ça, c'est la tête des Ikhwan Muslimin. Et Tablighiyoun, si tu trouves, ou quand tu vas retrouver leur sophisme, leur tête de Tablighiyoun. ثم تفرقت الجماعة إلى جماعات وصارت شيعا مما أعقب البغضاء والشحناء وتراشق الأقلام بكلمات مسمومة نقوة وحمية. Et ces groupes-là, ils vont se diviser, ils vont se déclarer la guerre. Ces groupes-là, ils vont se diviser. Je reprends simplement Al-Qaïda, celle qui a fait plus de dégâts dans, on appelle ça, le XXIe siècle. Al-Qaïda de Bin Laden, on va dire c'est criminel, car ils ont fait des crimes immenses. Après le Daesh et ainsi de suite. Ceux-là, ils vont se diviser. Prenons-en maintenant simplement une histoire simple de ces divisions, de ces criminels-là. Donc, après l'Irak, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Zarqawi. Zarqawi, il va faire l'allégeance à Bin Laden. Il va faire le Bay'a à Bin Laden. En Syrie, ça, je passe vite pour que vous compreniez comment ils vont se diviser. Zarqawi va faire le Bay'a à Bin Laden. Donc en Syrie, il va voir la guerre comme vous voyez maintenant avec le printemps arabe, entre parenthèses. Et il y avait là, donc, de l'Qaïda, Jabhat al-Ansar, Nusra, Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, c'est qui? C'est l'Qaïda. De côté de Zarqawi, c'est qui? C'est l'Qaïda. L'Qaïda, ils vont faire les Da'chi, ou comment il s'appelle là, le chef des Da'chi, ou là, le Abu Bakr al-Baghdadi. Lui, de l'Qaïda. Il va voir plus grand. Celui-là, donc le chef donc en Syrie de l'Qaïda, il va demander l'aide à celui de chef de l'Qaïda de l'Irak. Car avant, il s'appelait Daoulat l'Irak. Après, l'autre là, Abu Bakr al-Baghdadi, il va voir plus grand, il va changer.
دولة العراق والشام. سيفاو سابلي داعش، دولة إسلامية عراق والشام. L'autre là, le chef, il va demander à celui de l'Irak pour lui donner un coup de main, car il a la puissance en Irak, etc. Il a pris beaucoup de main. Il va lui donner un coup de main, mais après il va lui dire, moi c'est le chef. Ils vont se bagarrer. Et Abu Bakr al-Baghdadi, il va nier Zawahiri. Il a dit, il n'est plus chef. Voilà, c'est un groupe ça. C'est un groupe de l'Al-Qaïda. Ils vont se bagarrer, ils vont se déclarer la guerre maintenant, actuellement. Quand on dit se déclare la guerre, ce n'est pas qu'on le dit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas restés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent jihad fi sabilillah. Et combien de jeunes qui sont partis dans le dahiya, victimes dans l'affaire ? D'ici en Belgique, combien de gens qui sont partis ? Les trucs, les bombes qu'on a fait ici, ces criminels à Zaventem et aux stations, c'est qui ça ? C'est ces criminels. Ces groupes, des Ikhwaniyoun, qui leur base est Ikhwani. Combien de jeunes qui sont partis là? Pas simplement de la Belgique, de l'Europe, de Maroc, de l'Algérie, de tout, tout. À cause de qui? À cause de ces groupes-là. Et pourtant, ils s'appellent des gens de Ahl Sunna ou Jama'a. Et ici, il dit qu'ils vont se diviser. وصارت شيعا مما أعقب البغضاء والشحناء وتراشق الأقلام بكلمات مسمومة. Une guerre entre eux. وفي الشقاق وحده إماتة من أفراد أي أمة من القوة. والله تعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله عز وجل لي ولا تنازعوا. Ne vous, vous séparez pas. Restez regroupés. Restez regroupés comment ? Sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Sur ce que les compagnons de prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont laissé, un point c'est tout. Pas philosopher plus que ça. Se regrouper, moi et toi on va se regrouper. Sur quoi ? Sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Sur ce que les compagnons ils ont laissé. Et ceux-là qu'ils ont suivi les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te le dit. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم خلاص لا cherche pas. Il y a un tahriri l'autre fois là, il est en train d'argumenter comme quoi il est permis de fondre un groupe. Pourquoi ? Quel délit ? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a à la Mecque il a fondé un groupe. Kawana hizb. Parce qu'ils se regroupaient dans l'arqam, dans l'arqam, les compagnons viennent et il fait le groupe. Là, il a fait un groupe, oui, il a regroupé un groupe, d'accord. Mais alors toi, Hizb Tahrir, tu as fondé un groupe à l'intérieur du groupe. C'est le prophète, il a fondé le groupe. Le groupe que le prophète a fondé, il existe ou il n'existe pas? Il existe. Ben rentre dans ce groupe et tais-toi. Tu n'as pas besoin de m'inventer un autre groupe, te blairer à l'intérieur d'un autre groupe. Le groupe de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il existe. Il l'a fondé à la Mecque, khalas. Tu n'as pas besoin de me fondre un autre groupe. Hizb Tahrir à l'intérieur du groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Azza wa Jal il dit wa ati'u Allah wa rasulahu. Bien clair. Pour rester dans le groupe, obéissez à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la tanaza'u, ne vous disputez pas. Fatafshalu. Vous allez vous disputer, vous séparer, vous allez être anéantis. Vous n'aurez aucun parole. والسؤال الكبير ما حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات المعاصرة العاملة في الحقل الإسلامي؟ Alors non, on va pas parler donc dans le temps, on va parler de maintenant de l'ahzab, les groupes qui existent actuellement hein, sur le terrain. Peut-être vous les connaissez pas parce que beaucoup de gens ils entendent parler de Tabligh, des Ikhwan, mais lui il est même pas adhéré là-dedans. Mais même parfois, il est à côté de toi. Même il va te faire le da'wa. Tu as des mosquées, ils invitent les gens de ce groupe. Il ne sait même pas. Une mosquée, il va t'inviter un ikhwani. Il va faire d'ars. Un tabliri, il va faire d'ars. Un tahriri, il va faire d'ars. Comment vous faites vous la mosquée là? C'est quoi? C'est quoi ce shlada là? Comment le tabliri, il a fait le da'wa? Comment le tahriri, il a fait le da'wa? Comment l'Ikhwani a fait le da'wa? Comment l'Adli a fait le da'wa? Dans une seule mosquée?
Ces gens-là qui écoutent là, ils sont quoi? C'est comme on appelle des caméléons là, ils changent des couleurs ou quoi? C'est des gens, ils ont quand même un manhaj. Le Tbilighi, il a dit autre chose de frères musulmans. Le Tahriri, il a dit autre chose de... Comment vous les inventez à la mosquée? Ils font les doros comme ça. Ben, la mosquée elle-même, elle fait partie des gens égarés. Il ne sait même pas. Et les gens qui sont là, on a écouté un das. Mais ils sont perturbés. Celui-là, il a dit comme ça, celui-là, il a dit comme ça. أما التي يكون انتسابها إلى الإسلام تلبيسا وظلما كالبابية والبهائية والقديانية والبريولية. On ne parle pas de ceux-là, ces groupes-là, comme البهائية أو الكلبانية. C'est des groupes qui sont sortis carrément de l'islam. Ils prient, comme Rawafid. Ils prient, ils vont à la Mecque, ils font le pèlerinage, mais ils ne sont pas musulmans, ils sont des mécréants. On ne parle pas de ceux-là. On parle de ceux-là qui sont encore musulmans, comme les frères musulmans et Tablir et tout ça. فهذه فرق كافرة لا دخل لها تحت سرادق البحث. Cela n'en parle pas parce qu'ils ont pris le nom musulman et qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. فتاوى العلماء. On passe ici à الفتاوى de العلماء. أفتى جماعة من كبار العلماء بعدم جواز الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية. Les fatawas des ulama, des grands savants, ils ont interdit et qu'il n'est pas permis d'adhérer à des groupes jama'at islamiques, musulmans. فَإِذَنْ عَقَدَتْ فِرْقَ أَوْ حِزْبِ إِسْلَامِ تَحْتَ شِعَارٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَحْدَثٍ يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ فَهَذَا عَقْدٌ مُحَرَّمٌ لَا يَجُوزُ. Tout groupe se regroupe sur un symbole, un drapeau, un ou quelque chose, il est interdit par l'islam. Tout groupe se regroupe sur un nom, ou un drapeau, ou une idéologie, en dehors de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est caduque. وَالَّذِي يَهُمُّنَا هُنَا هُوَ تَحْقِيق مَنَاط تَحْرِيم الْإِنْتِمَاء لِلْجَمَعَاتِ وَالْأَحْزَابِ الْإِسْلَامِيَةِ. Ce que nous intéresse ici, les arguments de l'interdiction de haram d'adhérer ou de fondre un groupe. هل مجرد التعدد والافتراق أو اختلاف المسميات أو التحزب حصول الفرق والاختلاف المنهي عنه في النصوص. Pourquoi on va trouver que c'est interdit? Parce que ces groupes-là, c'est la cause de la séparation de la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que l'islam est interdit de se diviser. الإحداث أو الابتداع الحاصل في الجماعات رسما ووسما. Ces groupes-là, ils inventent des choses, des bid'as, des rizés, chacun il invente son bid'a dans son groupe. Les tablériens, ils vont inventer leur bid'a. Les tahririens, ils vont inventer leur bid'a. Tous ceux-là, ils ont des bid'a. Tous. Pourquoi? Pourquoi ils ont? Parfois, des gens, ils te posent la question, qu'est-ce qu'ils ont comme des résidus de bid'a? Mais fondre un groupe, tu voulais construire une maison, mais tu l'as fondée sur des fondations fausses. Tout ce qui tu vas faire par après est faux. Alors, eux, automatiquement, qu'on va dire qu'à l'intérieur du groupe, il y a plein de bida, pourquoi ils ont des bida? La construction, la base, elle-même bida. Troisièmement, البعد عن لزوم جماعة المسلمين وجعل الولاء والبراء لحزب معين وهذا منهي عنه. Et lui, le groupe là, il va t'aimer, il va te détester d'après t'adhérer à son groupe ou t'y adhérer pas à son groupe. Lui, il aime, il déteste d'après son groupe. T'y es tahriri? T'y es un ikhwani? T'y es un tbiliri? Le tbiliri, t'y es un tbiliri? Yann Ikhwani, pose-les la question. Et si vous ne pouvez pas poser la question, regardez quand ils écrivent, les groupes qu'ils ont des livres, leurs chouchs, ils ont des livres. Certains groupes, ils n'ont pas le chouchs qu'ils écrivent. Mais comme Tahririyon, non. Ils ont des chouchs qu'ils écrivent. Ils ont carrément une majla qui s'appelle Dawa en Angleterre.
car ils sont basés plus en Angleterre et en Jordanie, parce que ça sort de Jordanie. Mais quand tu regardes dans leurs livres, les frères musulmans, c'est... Ben, il va te donner l'adillat, c'est faux ce groupe-là. Et les frères musulmans, quand tu vas lire leurs livres, le Hizb al-Tahrir, c'est faux. Mais ils peuvent se regrouper. Quand ? Pour attaquer la Sunna. Pour attaquer la Sunna. Parce que toi, tu les attaques avec l'argument de Kitab ou Sunna. Et c'est là qu'il leur fait peur. Alors ils peuvent se regrouper pour éliminer ça. أولا حصول التفرق والاختلاف المنهي عنه في النصوص فالأصل الالتزام بالكتاب والسنة ولا التفرقة. So divisé. الأصل c'est donc de rester avec le kitab et la sunna. ولزوم جماعة المسلمين وتحريم الفرقة. Et de rester avec le groupe musulman. جماعة pas جماعات. جماعة un seul groupe qu'il y a. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a pas dit des groupes. Il nous a dit un groupe. D'ailleurs, le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, qui va venir peut-être après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit « Fa'elzum al-jama'at »« Alayka bil-jama'a » Une seule. Il n'a pas dit « Alayka bil-jama'at » Comme ils disent certains groupes, Hizb al-Tahrir, celui-là, il le fait plus. Non, parce qu'il faut être dans un groupe pour qu'on aura la force. Etc. Mais on est déjà un groupe. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà un groupe. Non, ils te disent, tu dois fonder un groupe pour qu'on aura la force. فالأصل الالتزام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وتحريم الفرقة فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا دربا واحدا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a montré combien de chemins. Un ou plusieurs? Un seul. Ok. يجب على المسلمين أن يسلكوا هو الصراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون bien clair ولا لغيوم الله عز وجل dit وأن هذا صراط مستقيم ça c'est le chemin droit فاتبعوه suivez ce chemin ولا تتبعوا السبل ne suivez pas les petits chemins c'est quoi ces petits chemins. Comment on va l'expliquer maintenant actuellement? Ces petits chemins, tous ces groupes-là, ils sont sur le Sirat al-Mustaqim. On va voir, Cheikh Al-Albani va t'expliquer ça par après, Inch'Allah. كما نهى عن التفرق والاختلاف في الكلمة لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عز وجل يدي واعتصموا بحبل الله جميعا. وَاعْتَصِمُوا Crampez-vous à l'accord de Allah Azza wa Jal. C'est quel accord de Allah Azza wa Jal? Kitabullah. Al-Qur'an. Ne viens pas au Qur'an et tu vas dire, voilà ce que je vous dis. On tient le Qur'an. Oui, mais quand il va prendre le Qur'an, il va te dire, le sunna, n'oublie pas là, il y a le sunna. Tu regardes le Qur'an, n'oublie pas les compagnons. Khalas. Tu prends le Qur'an. Tu dis, ah, je prends le Qur'an. Qu'est-ce qu'il dit dans le Qur'an? Ah, il dit, fais attention, le sunna, c'est... Oh. Tu le prends ou tu le prends pas? Il est obligé de le prendre si tu prends le Coran vraiment. Et les compagnons, là. Oh, les compagnons. Il faut les rentrer. Voilà, le Coran, il t'a fait rentrer maintenant. Lui, il a pris le Coran, après, il a jeté tout sur le côté. Là. Et si Allah Azza wa Jal, il dit Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Rompez-vous à l'accord de Allah Azza wa Jal, jami'an, tous. Wala tafarraqu. Maintenant, le tablighi va venir chez moi. Qui va faire, qui a fait le furqa? C'est toi ou moi? Je veux dire, c'est toi. Tablighi. Qu'est-ce que j'ai fait en dehors de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a désigné? Toi, tu as dit tablighi. Balligh al-risala, tu as pris une partie de l'islam. Moi, j'ai fait balligh al-risala. Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai vu en Espagne, j'ai vu en France. Je balligh al-risala. Non, il faut venir avec nous, avec notre chef, et comme ça. Ah, ça va pas, ça. Le tabligh, je le fais, balligh al-risala. Qu'est-ce que je fais, là? Hein? Je chante la Marseillaise ici, ou quoi? Quand je suis en France, je suis en Hollande, je suis là-bas, je fais quoi? Je balligh al-risala ou je fais pas balligh al-risala? Hein? Je balligh al-risala. Et c'est comme ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. C'est-à-dire que tout même les prophètes qui sont venus avant, etc. C'est la même directive, le même chemin. Il n'y a pas plusieurs. Même les prophètes. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il le dit. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Ceux-là qui vont vivre, il dit ça aux compagnons, prophète صلى الله عليه وسلم, il dit aux compagnons, ceux-là qui vont vivre, vous allez voir beaucoup de divergences. On voit cette divergence? Est-ce qu'il y a une divergence ici? La divergence entre l'Ikhwan, le Tablighien et tout ça, il y a une divergence? Mais cette divergence-là, on doit l'éliminer. Alors le tablighien, on doit s'asseoir. Le frère musulman, on doit s'asseoir. L'Hassan, on doit s'asseoir. Il y a une divergence là. Alors une divergence, on doit la remettre al-kitab ou sunnah. Ne prends pas toi un morceau. Toi, tu prends un morceau. Au tablighien, il parle de quoi? Allez toquer les portes avant de ramener les gens à la mosquée. C'est bien. Mais ça, c'est l'islam aussi, une partie de l'islam. Partie de l'islam. Tahrir, c'est quoi? Il faut, on oublie tout ça, les mosquées, construire les mosquées, etc. Et tout ça, l'ablution, vous oubliez ça. Et quoi? Il faut un État musulman. Il faut faire l'État. Faire l'État, c'est quoi? C'est, s'il n'y a pas l'État, on ne fait rien? C'est comme les chiites? Vous attendez le Mahdi, le Montadar? On n'attend pas nos autres l'État. L'État, s'il vient, alhamdoulilah. S'il ne vient pas, je continue. L'Ikhwanion, c'est la même chose. Simplement le même système. Ils doivent arriver à la chaise, donc responsabilité. Les autres, le Tahrir, non, ils doivent chercher un État. Déjà un État, lui donner le bayat. Mais ici, tu as pris toi la politique. Toi, ici, tu as fait le fism, tu fais le dawa. Et les autres, l'adl ou l'ihsan, vous avez tous pris parti de l'islam. Et en presse, vous vous faisiez la guerre. Mais alors, nos autres aussi, non? Nous autres, on te dit, ah, le sunnah ou le jama'a, la famille. Salafi l'umma, il n'y a pas la faire risala. Salafi l'umma, tu fais le risala. Salafi l'umma, tu fais le da'wa. Salafi l'umma, tu vas essayer donc de regrouper les gens. Salafi l'umma, tu fais le djihad. Salafi l'umma, c'est ça, tu retournes là-bas, khalas, ils font tous. Pourquoi faire le nom de da'wa ou de tahrir ou de l'état et tout ça? فإنه سيرى اختلافا كثيرا وستفترق أمتي على 73 فرقة أقوال العلماء الشيخ العثيمين رحمه الله maintenant passe à la parole des ulama. الشيخ العثيمين رحمه الله on lui a posé la question est-ce que il y a dans le Coran et la Sunna quelque chose un argument dans le kitab Sunna qu'on peut le prendre comme quoi tu peux fondre un groupe. Falaïsa, la réponse de Cheikh Al-Uthaymin, Falaïsa fil kitab wa sunna ma yubihu ta'addud al-jama'at wa al-ahzab. Cheikh Al-Uthaymin dit, il n'y en a pas dans le Coran. Voilà, tu dis, tu veux les riches, Cheikh Al-Uthaymin, et tu dis, il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans la sunna. Et bien, va chercher maintenant dans le Coran le sunna et fais la sortir, le contraire de ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin. Simple. Il te dit ça n'existe pas. Bal inna fil kitab wa sunna ma yadhum dhalik. Il dit le contraire. Dans le kitab ou sunna, il y a le contraire de ça, qu'il t'interdit de fondre des groupes. Inna alladhina farraqu. Cheikh Al-Uthaymin ramène dalil de le Coran. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shia. لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الله عز وجل دي إن الذين فرقوا ceux-là qui sont divisés en quoi? Dans leur religion, dans leur foi, dans leur dogme. وكانوا شيعا, ils étaient des partis. كانوا شيعا, des partis. Alors qui a fait le parti? C'est toi. لست منهم في شيء. T'as rien à voir avec eux. T'as fondé un groupe? J'ai rien à voir avec toi. خلاص.
D'ailleurs, le prophète, il va le dire aussi à Hudhayfa ibn Yazid. Quand Hudhayfa, il dit, le prophète, il dit, Waltazim al-jama'a wa imamuhum. Il dit, s'ils n'ont pas de jama'a, ils n'ont pas d'imam. Il dit, fa'tazil tilka al-firaq kullah. Éloigne-toi de ces groupes, complètement, éloigne-toi. Même de rester tout seul. On va venir après le hadith, inshallah. قال الشيخ الألباني رحمه الله. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Al-Uthaymin ? Il dit, il n'y a pas dans le kitab ou le sunna quelque chose qui permet de vous fondre un groupe. Même plus que ça, qu'il y a dans le kitab ou le sunna qui interdit de fondre un groupe. الشيخ الألباني رحمه الله. لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة. Cheikh Al-Albani dit, il n'y a pas un musulman, le vrai musulman, qui connaît le kitab ou le sunna. وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. Et de connaître comment ils étaient les prédécesseurs, notre prédécesseur, c'est-à-dire dans l'islam. أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة لأفكار أولا. Il dit d'avoir des groupes avec chacun ses pensées, avec chacun son manhaj, والأساليب ثاني ليس من الإسلام في شيء. N'a rien à voir avec l'islam. N'a rien à voir avec l'islam. On voudrait bien d'obtenir cette phrase-là. N'ont rien à voir avec l'islam. Cheikh Al-Uthaymin, dans le kitab, le Coran, Allah l'interdit de fond. Comment ils vont venir après de dire qu'il y a, on peut parler de le bien, de citer ce qu'ils ont de bien? Non, parce que si tu parles, on doit faire un dars sur ça aussi, le mouazanat. On l'avait fait ça, le mouazanat? Non. Certaines personnes te disent, quand tu parles d'un groupe, il faut être juste, adil. Parler de ce qu'il a de bien, de ce qu'il a de mal. Non, ils appellent ça le mouazanat. Quand tu veux parler d'un groupe, pourquoi tu dis qu'ils ont ça mauvais? Ben, ils sont pas de quelque chose de bien. Il faut parler de ce qu'ils ont de bien. Et ça, c'est une erreur fatale. Ça, c'est une erreur fatale. À chacun, ses erreurs. On a tous les erreurs. Hein. Ils ont des choses... Ça, c'est quelque chose de très, très dangereux. On doit faire un dars. Je l'ai déjà fait en riche. On va faire ça, Inch'Allah, en français. Non, il ne faut même pas le parler de bien. Il ne faut pas dire ce qu'ils ont de bien. Parce que si tu parles, ils ont ça de bien, ils ont ça de mal. Quand toi, tu entends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec eux, tu t'assois avec eux, tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Je te laissais au milieu, là. Ils ont ça de bien, de mal. Ok, je fais quoi? Ou alors, moi, je dis, bon, ils ont ça de mal, ils ont des choses de bien, ils ont ça de mal. Mais leur mal... Alors là, oui, toi, tu as compris, comme Allah, il a dit sur le vin. Le vin, il y a des choses bien, mais le mal de vin... Alors là, mais de me parler. Ah, les tibériennes, mashallah, ils sortent là-bas, ils ramènent des gens à la mosquée, ils ont la sunna, etc. Ils ont quelques erreurs de shirk, etc. C'est tout, et après, toi, tu fais quoi? Alors, ils se basent encore sur les paroles de Cheikh Mbaz et Cheikh Al-Uthaymin, fais-hum khayr. Bah, pourquoi il n'y a pas quelque chose qui n'y a pas khayr? Même quelqu'un qui n'est pas musulman fait khayr. Même Anaté l'a fait khayr. Anaté, il n'y a pas un khayr dedans? Il y a Anaté khayr en dedans. Il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, laïsa min al-islami fi shay. Ils n'ont rien à voir avec l'islam, ces groupes-là. بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم. La même chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Al-Uthaymin? Il y a du Coran qui dit le contraire. De ne pas fondre un groupe. Et Cheikh Al-Albani, il dit au contraire. Ces groupes-là, Allah Azza wa Jal nous a interdit de fondre des groupes et de faire tahazzubat. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Regardez le verset qu'il a cité, Cheikh Al-Uthaymin. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Ceux-là qui sont divisés dans leur religion, ils étaient des groupes. Cheikh Al-Albani va ramener une autre ayah. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ne faites pas comme ils ont fait les mushrikines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. Car les juifs et les chrétiens, ils sont passés, ils se sont divisés. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Dans l'autre verset, شِيَعًا. Shia, c'est-à-dire groupe. Ici, le même verset que Cheikh Al-Albani ramène parle aussi
Ne faites pas comme ceux-là qui étaient avant vous, sont divisés dans leur religion, ils ont fait des groupes. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Mais écoute cette phrase. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe, il est content de ce qu'il a, de son manège. Ikhwaniyoun, on est content de le manège. Tablighiyoun, on est content de le manège. Tahririyoun, on est content de le manège. L'Adliyoun, on est content de le manège. Chaque hizb, il est content de son ménage. Farabbuna Azza wa Jalla yaqul wa law sha'a. Écoute ce qu'il dit, Cheikh Al-Albani. Il ramène l'ayat du dalil comme quoi tu ne dois pas fondre un groupe. Et en plus, il dit wa law sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida. Le verset, si Allah il aurait voulu, il aurait fait une seule communauté. Umma wahida, tous des musulmans. Wala yazaluna mukhtalifina. Mais ils seront toujours divisés. On sera toujours, dans ce moment, toujours des divisions. Mukhtalifin, yakhtalifun. Illa man rahima rabbuk. Exception. Illa man rahima rabbuk. Un fasiq dans le paletot qui dit, ben voilà, Allah Azzawajal le dit. Ah, si Allah il aurait voulu le regrouper, Allah il n'a pas voulu. S'il y a des groupes, c'est Allah qui l'a voulu. Alors on est bon. Automatiquement, on peut faire un groupe. Mais il a oublié le reste. Illa man rahima rabbuk. Lui, il a arrêté là. Walaw sha'a rabbuka la ja'ala an-nas umma. Si Allah il aurait voulu, il aurait fait une seule communauté. Wala yazaluna mukhtalifin, mais ils ne seront pas une seule, ils seront toujours divisés. Stop, il a arrêté là. Et le reste, qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawaj? Illa man rahima rabb. Il y aura toute cette division, mais il y aura des gens qu'Allah Azzawaj va leur faire sa miséricorde, ils ne seront pas en division. Ils ne seront pas en division. C'est-à-dire la division, il est bien ou il est mauvaise? Elle est mauvaise parce qu'Allah Azza wa Jal istathna, à exception, illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al jinnati wal nasi ajma'in. L'autre là, le malin là, il dit wa lidhalika khalaqahum. Allah Azza wa Jal, il dit c'est pour ça qu'il les a créés. Il les a créés pour diviser. Là, il les a créés pour ne pas se diviser. Illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum. Ils doivent pas se diviser. Mais s'ils se divisent, maintenant si tu dis Allah il les a créés, mais la division c'est Allah, mais pourquoi Allah azza wa jalla wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannam. Alors l'enfer, qu'est-ce qu'il fait là? Pour qui ça? Pour ceux-là là qui se sont divisés. Ceux-là là qui ont fait le groupe. Illa man rahima rabbuk. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu ha fin nar illa wahida. Il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Fallahu tabaraka wa ta'ala stathna min hadha al-khilaf alladhi la budda minhu. Il dit Cheikh Al-Albani, Allah azza wa jalla il a fait exception de cette umma qui est en division, l'ikhtilaf, en divergence. Alladhi la budda minhu kawniyan. Car cette divergence va se passer, mais kawniya, laysa tashri'iya, wa laysa shar'iyan. Istathna min hadha l'ikhtilaf al-ta'if al-marhouma. Il a fait exception de ta'if al-groupe al-marhouma. Hina qal, illa man rahima rabbuk. C'est-à-dire l'ikhtilaf, c'est pas bien. Allah, il l'aime pas. On va venir après l'ikhtilaf du madahib. Ah, madame, imam Malik, madame Al-Kalam. Ça, c'est après. Farabbuna Azza wa Jal, il dit, illa man rahima rabbuk. Wala raib, toujours la parole de Cheikh Al-Albani. Wala raib anna ayya jama'atin yuriduna bihirsin wa ikhlasin lillah an yakunu min al-ummati al-marhouma. Il dit, alors, chaque jama'a, ils veulent vraiment, et qu'ils ont l'ikhlas, hein, أن يكون من الأمة المرحومة. Tu veux être de l'Umma المرحومة ou pas? إلا من رحم ربك. Il parle de la communauté. Est-ce que tu es musulman? Tu es sincère avec toi-même? Si tu es sincère, tu veux être de la communauté المرحومة.
المستثنات في هذا الخلاف الكوني تدوي sortir de cette divergence qu'Allah a laissé passer dans ce bas monde. الكوني إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي. Il dit tu ne peux pas être par la communauté marhouma. الشيخ الألباني il dit si tu as la conviction tu es le vrai musulman et tu veux être par cette exception qu'Allah Azza wa Jal il a dit dans cet ikhtilaf, dans cette divergence illa man rahima rabbuk, et tu veux vraiment être parmi ceux-là que arham Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas être par cette exception illa par condition li tahqiqihi amaliyan, pour le mettre en pratique في المجتمع الإسلامي متن إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. De retourner à الكتاب والسنة. Il a pas arrêté. وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. Toujours Cheikh Albani, il te colle ça. Pourquoi? Parce que si tu arrêtes vers le kitab ou le sunna, les autres groupes, il n'y a pas un seul groupe qui va te dire le contraire, que je ne lui ai pas. Lui, il ne prend pas le kitaous. Tous prennent le kitaous. Les chiites prennent le kitaous. Même le Coran, il prend le kitaous. Le tablir, il prend le kitaous. L'Ikhwan, il prend le kitaous. Tous. Mais, où est-ce qu'il est le problème? C'est celle-ci. Wa ma kana alayhi salafuna salih. De ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait des divergences entre les compagnons? Oui. Dans le fiqh? Oui. Ils ont fondé des groupes? Non. Les tabi'in, ils étaient en divergence? Oui. Ils ont fondé des groupes? Non. Tabi'in, ils avaient des divergences? Oui. Ils ont fondé des groupes? Non. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrun nas, c'est ceux-là les meilleurs. Tu ne veux pas être comme eux? On a une divergence dans le fiqh, donc oui, le problème. Tu n'as pas besoin de fondre un groupe. Tu n'as pas besoin d'être un tabliri. Tu restes musulman, qui t'a vous sonna, tu n'as pas besoin d'être ikhwani. Avoir une carte de parti, de tahriri, une carte de syndicat, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Et alors, ils ont des termes. Un jour, quand j'étais à la Mecque, là, il y en a un barbu, là. Il y avait les tantes à Minin. Et l'autre, il me regarde. Ah, il dit, l'ahbab, yak. Vous appelez l'ahbab, l'habib. Ils ont ce terme, l'ahbab. Dis l'ahbab, tu cherches l'ahbab? Non, il me dit tu cherches l'ahbab. Qu'est-ce qu'il a? Parce que je cherchais après mon père qu'il était dans une tente là. Et je cherchais, je regarde. Et lui il me regarde comme ça, la barbe là, multazim. Il ne restait pas simplement le col, j'en avais pas. Il me dit tu cherches l'ahbab? Ça fait une tente de tbléhid. Je dis qu'est-ce qu'il te raconte? Et là il me regarde quand il a vu. Parce que si j'étais tbléhid, automatiquement il dit l'ahbab, oui, où ils sont? Mais je n'ai pas compris qu'est-ce que tu. Ah, il dit, ça va, t'oublies ça. Et il est parti, il m'a laissé là. Dans le vent. Dans le vent, rien. Dès que je n'ai pas compris l'ahbab, khalas. Arrange-toi, ça code. Il ne m'a même pas dit, peut-être, t'as peur de quelque chose. Non, non, il dit, ça va, oublie ça. D'accord, il n'est pas fort. Tu parles ahbab, khalas. Cette image me reste à la tête, pas ça m'a resté. Maintenant encore, quand j'ai. Rien, salam alaykoum, alaykoum salam, tu cherches l'ahbab? Effectivement, je cherche l'habib, mon père. Mais l'ahbab, beaucoup, j'avais que mon père. Illa wa ila ma kana alayhi salafuna salih, radiyallahu anhu. Al-ihdath wa al-ibda, ça c'est le premier point. On arrête ici peut-être. Ouais, on va arrêter ici, on va faire. Quelle heure il est? Taïb, on va arrêter au deuxième point, Inch'Allah, et on finira. Dans 15 jours. Dans 15 jours, Inch'Allah. J'espère que vous serez là pour voir la fin de tout ça. La suite du match. Naktafi bihad. Naam, deuxième match. Naktafi bihad al-Qadr, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum.